Dans l'histoire du journal Le Monde, il y a eu un premier traumatisme au mi-temps des années 80, quand le journal a été confronté à de graves difficultés financières et a dû vendre son siège dont il était propriétaire. Donc on a cherché, maintenant que le groupe avait retrouvé un équilibre économique, à redevenir propriétaire. On a cherché à avoir un vrai geste architectural et notamment Pierre Berger y tenait. Il considérait qu'il était important que Le Monde, journal de référence en France, ait un bâtiment qui ait une vraie exigence esthétique. Pour moi, pour les équipes, je souhaitais que ce soit le plus lumineux possible et que le confort de travail soit privilégié au moment de concevoir ce bâtiment. Et donc, on a confié ces injonctions parfois un peu contradictoires au cabinet Snoeta en lui demandant de nous proposer un immeuble qui soit donc à la fois très emblématique et très confortable pour les équipes. The plaza itself is a vaulted space that penetrates through the building itself and opens up for public access under the building of Le Monde. We believe this is extremely important because all of a sudden you have a light feature that gives you the possibility of connecting to the building by not only walking by it or past it, but you actually walk through the building, and by that you're getting under the skin of the headquarters of Le Monde, and you have an interactive relationship to the building as an instrument for its users, for the employees of Le Monde, but also for the city of Paris. One of the challenges by having a site which was on top of a railway was that we had difficulties in bringing all the vertical forces down to the ground, and that in itself was of course a construction challenge. Aujourd'hui, on a à peu près l'intégralité des salariés qui sont passés au moins une fois dans ce bâtiment en dépit d'une règle de télétravail et puis des difficultés du confinement. Et quand on rencontre les salariés, on voit qu'ils sont tous très satisfaits des locaux. Et à un moment où chacun cherche des repères et a du mal à retrouver l'envie de revenir travailler dans son entreprise, eh bien, proposer aux salariés un immeuble complètement neuf et un immeuble lumineux et aussi confortable à vivre, c'est un vrai motif de satisfaction. Il vient un point nommé au moment où on cherche à ce que chacun ait envie de retrouver le chemin du journal. Je pense qu'avoir accueillir les salariés dans un bâtiment de ce type est une chance pour nous.